Non, non. Mais que je l'appelle. On est fait à la Vendée. C'est important. Il fait un peu des ah, Paul. Oui, Paul. Allez, vous écoutez. Mon cher, bien, Arietta. Je suis avec ton ami. Benjamin. Benjamin. Il me parle de toi depuis 3 heures. Il est très fier de toi. Il t'aime très fort. Alors, on a décidé ensemble de t'envoyer un grand coucou. Merci, à bientôt. Jean, merci, M. Lassalle. Ma fille, je veux vous saluer. Bravo pour vous. Jean, oui, c'est ma fille. Je suis agriculteur, il est là, il est là. Je suis ton plus grand fan, je suis agriculteur. Génial, c'est bien. Génial. Merci pour ça. Et l'avenir de, l'avenir de la France, elle t'appartient. Vous l'avez entre les mains, entre députés. Merci. Pas que chez les jeunes, parce que les jeunes sont là, mais il y en a beaucoup qui le sont un peu moins, comme moi. Disons que c'est pour moi un sujet d'étonnement permanent. Qu'est-ce qu'ils peuvent me trouver ? Parce que vous dites la vérité, que vous êtes sincère, vous n'êtes pas la langue de bois. Oui, peut-être, il y a beaucoup de ça. Et puis, parce que je dis quelque chose qu'on ne disait plus que 20 ans, j'aime la France. Ah. Et ça, et j'aime la France sans connotation. Et j'aime aussi tout ce qui est la France. Est-ce que vous n'avez pas peur le fait de aimer la France, que certaines mauvaises langues vous identifient comme identitaire? Non. Et puis de toute façon, si j'avais peur, il faudrait que je fasse autre chose. Parce que tu t'imagines le danger que je cours. J'ai toujours dit la même chose, toujours aimé mon pays. Ça ne m'empêche pas d'aimer l'humanité, d'aimer les différences. Mais je suis pour le retour de la civilisation. Parce que c'est la civilisation qui a élevé l'humanité. Parce que l'humanité vient du règne animal et du règne des formes. T'as qu'à regarder une émission animalière, tu vas voir, je te mange parce que je suis plus fort que toi. Moi, je pense qu'on est au-dessus de ça, mais on est en train d'y redescendre. Jean-Yves Fauconnier. Bonjour. Ah oui, ça va ? Ça va pas trop. Quelle jolie femme. Bon, tu vas bien ? Je ne change pas du tout. Hein. Ah ben, au moins ça. C'est absolument. Mais toi non plus. Irrésistible. Et toujours entouré de jeunes. Mais comme à, toi. À bientôt, Jean. À bientôt. Bonne continuation. Et ne précipite pas ta vie. Jamais. Et ne te fais pas de soucis non plus. À bientôt dans les news, là, si vous voulez. Bon, alors, au sucre, voyons. Oui, au sucre. Non, il y en a qui attendent. Oui, mais c'est bien. Pas, je pense on a fait la photo. Oui, on a fait la photo. C'est bon, c'est bien. Bon, alors, parfait. Alors, bien, au sucre, bon, Léon. Voilà, vous avez la carte, vous avez la carte, quoi. La carte, quoi. Ouais, ouais, on connaît la France. On a avec qui l'on fait. Ah, ouais, t'es d'accord. Merci. Merci. Monsieur Lassalle. Oui, qui m'appelle encore? Jean Lassalle est un ami de longue date. Nous avons travaillé ensemble au MoDem. Moi, je suis un ex-MoDem comme lui. C'est quelqu'un qui est différent des autres en politique. C'est quelqu'un qui travaille avec des convictions. Je pense qu'il vaut mieux être battu lors d'une élection, quelle qu'elle soit, que de renoncer à ses convictions. Je pense que c'est ça la dignité d'un homme. La dignité d'un homme, c'est... Je reproche beaucoup à ces hommes politiques qui n'ont pas de personnalité. Je les ai tous vus aujourd'hui. Et je connais bien le milieu agricole. Je le connais parfaitement. Vous savez, l'agriculture, c'est le pétrole vert d'un pays. C'est le pétrole vert d'un pays, l'agriculture. Et sans agriculture, ben, la France va s'appauvrir. Mais où je veux en venir, c'est que
Il va falloir que nos hommes politiques deviennent responsables, quels qu'ils soient, qu'ils soient de droite ou de gauche. Moi, j'ai toujours respecté mes adversaires en politique. Toujours respecté. Toujours. C'est-à-dire, on doit débattre. J'ai trouvé malheureux l'autre jour ce qui s'est passé dans ce salon. Je trouve ça, ça me fait mal. Beaucoup. Je connais mon ami Jean Lassalle. C'est quelqu'un, avec ses convictions, il va soulever les montagnes. C'est évident. Mais c'est évident. Écoutez, moi, je l'ai invité dans mon département. Moi, je suis de Vendée. Je sais de quoi je parle. J'ai rencontré tous les élus vendéens aujourd'hui. Ils ont, quelque part, la langue de bois. Et populaire chez tout le monde. Écoutez, Jean Lassalle, c'est quelqu'un, c'est le Chirac. Et j'ai fait le salon d'agriculture avec Jean Lassalle des tas de fois. Mais c'est le Chirac. C'est le Chirac. Écoutez, moi, quand il arrive, Jean Lassalle, il est là. Tout le monde il a envie. Voilà. C'est quelqu'un qui a envie. Et je sais de, il sait de quoi il parle. Ah mais oui, c'est très bien. Vous m'avez même fait penser alors qu'il n'y avait pas de place. Ça, c'est grandiose. Ah oui, mais j'ai fait quelques extras dans la ville. Il n'y a que les miracles que j'ai pas fait. Et bien voilà. Et j'ai pas été vérifié non plus. Pour moi, je vais l'envoyer à François. J'ai pas vérifié non plus. Je regarde quand même TF1 parce que j'avais vu après coup qu'il était pour hier et dans le fond il m'avait passé grave dans les 46 dernières heures ce qui était bien. Donc je pense que je t'ai souhaité les vœux, mais comme j'ai la chance d'avoir Alison et je n'aurai jamais plus aucune messagère comme elle, mon cher Arnaud, Echeverri. D'ailleurs, c'est la mort. Allez, on va. Merci. Tiens,
Arrête tes bêtises. C'est la vie. Ah, ok. Ok. Pourquoi vous avez deux cimetières dans votre village? Il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans la vie. C'est compliqué. Oui, bah tiens, je peux prendre mon fils aussi. Ah oui, d'accord. En fait, on arrive à vous dire celui. Oh putain, il m'a parlé deux fois. Dix fois. Tiens. Non, pas trois fois, deux fois. Deux fois, donc j'ai dit deux fois. Hein. Vous avez dit de vous en dégager. Je représente deux fois pour me parrainer la prochaine. C'est la bonne. Vous m'écrivez automatiquement, je crois que vous avez des gentils. Oui, oui. Des listes. Non, mais tu peux m'envoyer. On a fait une photo. Oui, on va faire une photo avec nous. Sa fille. Et mon mari, il a voulu aussi. Oui, mais c'est mon mari. Non, c'est mon père. Ah oui, c'est bien. Il va se faxer avec le propre d'armoire. Oui, de ton fils. Là, il est là. Allez, c'est ma mère. Super. Des chiens devant moi, des chats. Ah, mais je préférais le vermouth. Ouais, il n'y a pas de soucis. Je vais te donner ma carte. Je vais lui donner ma carte. Il va la perdre. Monsieur le maire, tellement de bonnes. Allez, à bientôt. C'est protagoniste. C'était plutôt souvent les hommes qui gagnaient d'ailleurs que les hommes. Demande-lui. Oh, écoutez, je ne vais pas être très original. Elle est malheureuse et inquiétante. Et je pense qu'il va falloir qu'on trouve des solutions le plus rapidement possible. Parce que les paysans se souviennent des jacqueries. Ils ne descendent pas souvent dans la rue. Quand ils y reviennent, c'est qu'ils ont quasiment la corde au cou. Et pas de perspective. Donc, ce que je retiens aussi, c'est le monde, la jeunesse, et cette espèce de joie de vivre dans l'un des plus grands rassemblements du monde consacré à l'agriculture, le Salon de l'agriculture à Paris, est connu dans toutes les langues du monde. Écoutez, il faudrait m'élire président de la République. C'est la seule mesure que je vois. À part ça, je n'en vois pas d'autre. Dans l'état actuel des choses, je n'en vois pas d'autre. Oh, c'est pas difficile, hein? C'est pas difficile. Être plus populaire que M. Macron avec le bordel qu'il a mis. Allez, on va les gars. Merci madame. Merci. Vous êtes géniaux.